exactement ma propriétaire. Salut à tous les amis, c'est Ghostplayer. Aujourd'hui on se retrouve pour une petite vidéo très rapide, juste pour vous dire que si vous êtes fan des années 80 comme moi, que vous aimez la série Goldorak, sachez que La Poste a édité des très jolis timbres, des plaquettes de timbres Goldorak, franchement pour 3€ la plaquette. Moi je m'en suis pris deux, franchement, pour une collection, pour une vitrine, c'est très sympa. Elles sont vraiment très très jolies, ces petites plaquettes Goldorak. Franchement, écoutez, pour 3€, je voulais vous présenter ça. C'est sorti le 11 octobre à La Poste. Franchement, bon, il y en a quand même pas mal. Mais faites attention quand même, parce qu'il y a déjà encore des... J'ai vu sur Internet, il commence à y avoir sur les groupes Facebook, j'ai vu sur, notamment des groupes des jouets années 80, des gens qui ont posté des timbres comme ça Goldorak, et qui commencent à prévenir les gens comme quoi il y a déjà des scalpeurs, des gens qui rachètent des plaquettes de timbres et qui commencent à revendre ça une quinzaine, vingtaine, 30€ même pour certains, alors que ça coûte bien 3€. Vous voyez, on a deux timbres à 1,50€. Voilà, donc franchement, écoutez, faites attention les amis, si jamais vous envoyez à La Poste, surtout vous faites pas avoir, n'achetez pas sur internet à prix d'or. 1,50€ par timbre, donc deux timbres, soit 3€ le lot. Très très joli timbre de Goldorak, vraiment, je les trouve vraiment très jolis. Voilà. Petite dédicace à Actarus et Venusia d'ailleurs. Je sais que le copain Actarus est donc, du coup, comme son pseudo l'indique, est fan de Goldorak. Ils sont vraiment très très jolis. Alors, franchement, la Poste, ils ont frappé fort. Ils ont vraiment fait une jolie édition de timbres. Ces deux timbres, ils sont vraiment magnifiques, comme vous pouvez le voir. Voilà, dans une petite plaquette comme ça, sous blister. C'est très sympa. Voilà, moi je me suis pris deux jolies plaquettes. Et comme on peut le voir un petit peu au début du live, il n'y a resté plus beaucoup déjà. Donc franchement, surtout n'hésitez pas à vous rendre à La Poste et à demander les plaquettes Goldorak de timbres, qui sont vraiment très sympas. Voilà, du coup, les amis, je vous laisse sur ces images. C'était Ghostplayer et je vous dis à plus pour une prochaine vidéo. Ciao tout le monde. We'll be right back.